Je mets ça là, comme ça. Là. Ok, là, je vais laisser ça comme ça. Bon, c'est pas grave. Salut les amis, c'est Mamak, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler. Je vais te parler de quoi en fait? Voilà, bah voilà, c'est ça en fait. C'est quand tu ne sais pas quoi dire en vidéo. Voilà. Alors justement, quand tu ne sais pas quoi dire, quand tu te mets en fait dans la tête qu'il faut que tu te fasses des vidéos régulièrement mais que tu ne sais pas quoi faire, c'est là où en fait je te conseille de tout faire à l'avance. Tout faire à l'avance, c'est-à-dire avoir déjà, donc prendre un moment, je ne sais pas, on va dire une heure dans ta semaine. Tu prends une heure dans ta semaine, tu te poses, tu te poses, tu te mets sur une table, voilà. Et tu écris tout ce qui te passe par la tête concernant ta chaîne YouTube ou alors pour tes articles de blog ou je ne sais quoi. Tu prends une heure, tu te poses sur une table, tu prends une feuille, un stylo et là tu notes tout ce qui 1, 2, 3, tout ce qui se passe dans ta tête. Voilà, donc tu fais un brainstorming. Voilà, tu mets tout plein de mots-clés, tout plein de phrases. Moi, ce que je fais par exemple pour les vidéos YouTube, c'est que je mets directement le titre. D'accord ? Donc, je fais un titre, j'écris tout simplement un titre et je me dis, bah voilà, je ferai un contenu sur ce titre-là, par rapport à ce titre-là. Donc là, admettons que pour cette vidéo, le titre, c'est « Comment trouver des idées de vidéos ?» Et ben, c'est là où ça me dit que je vais faire une vidéo sur comment trouver des idées. Pareil, si c'est une vidéo sur comment utiliser son téléphone comme caméra, et ben, je vais faire une vidéo sur ça. Mais j'écris tous les titres des vidéos et comme ça bah, je me dis que je regarde cette liste et là je me dis ah bah tiens je vais faire une vidéo sur ça ou sur ça ou sur ça. Voilà. Ok, alors ce genre de vidéos comme ça, j'ai envie de dire à l'improviste, c'est parce que en fait j'ai du temps à perdre et je ne veux pas perdre ce temps en ne faisant rien et en restant dans ma voiture tout simplement. J'ai envie de gagner, je sais pas, du temps sur ma chaîne YouTube, donc là j'en profite pour te faire une petite vidéo. Certes, elle est peut-être pas de qualité exceptionnelle, certes elle n'est pas dans un super beau décor, mais voilà, j'essaye vraiment de te donner des conseils et de t'apporter de la valeur, que ce soit pour toi comme pour moi, parce qu'en fait si je me dis qu'il me faut un beau décor, si je me dis qu'il faut un beau soleil, si je me dis qu'il me faut une super bonne caméra pour 1, 2, 3, pour pouvoir te faire une vidéo, et ben au final je vais jamais avancer. Je vais jamais avancer dans mon business, je vais jamais avancer dans ce que je veux créer et je vais jamais progresser. Donc profite de tous les temps que tu as pour pouvoir faire quelque chose de productif. Là j'ai un peu de temps devant moi, alors j'en profite pour faire une vidéo. Même si elle est moche, même si je ne sais pas quoi dire, voilà, tu fais une vidéo simplement parce qu'il faut que tu fasses une vidéo. Et en faisant ça, en fait, tu vas t'améliorer au fur et à mesure et bah, c'est là que tu auras tes résultats. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te parler dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine et surtout, fonce dans tout ce que tu fais. Ciao.